Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire ce soir en conclusion? Alors en conclusion, j'ai assisté à cette manifestation avec beaucoup de plaisir. J'ai apprécié la qualité des intervenants aujourd'hui, des gens de chez Areva, de RDF. Et puis j'ai surtout apprécié effectivement notre partenariat avec La Poste. Et je voudrais dire que je suis très heureuse que ce que je préconise et que ce que je lance depuis des années, c'est-à-dire le partenariat entre l'université et l'entreprise, soit une concrétisation aujourd'hui d'une manifestation réellement réussie. Et je trouve qu'on a tout intérêt à l'université et dans les entreprises travailler ensemble. Bon, les IUT ont cet avantage depuis des années, ça fait partie de leur culture que de travailler avec les entreprises. Et je vois aujourd'hui que c'est une réussite et qu'on arrive à des choses tout à fait intéressantes, de réunir des gens de divers horizons, aussi bien des Italiens, des Canadiens, des Allemands, Suisses-Allemands et des Français autour d'un thème porteur qui est l'innovation, aussi la responsabilité, innovation responsable et également effectivement la confiance qu'on a dans les uns dans les autres. Et je crois qu'à l'IUT, on a toujours eu confiance dans les entreprises, on travaille beaucoup avec les entreprises, elles sont nos partenaires principaux et je vois qu'aujourd'hui ça a très bien marché et j'en suis ravie. Merci de nous avoir aidés dans cette opportunité et je pense qu'on continuera à collaborer. On peut collaborer comme aujourd'hui sous forme de manifestations communes, mais aussi avec nos étudiants en stage dans vos entreprises. Nous faisons également des contrats de professionnalisation et on a mis aussi au point des contrats d'apprentissage. Donc on est ouvert à toutes les solutions pour travailler avec vous.